Bon, let's go. Donc on a la clé. Bon, je te laisse lire. Découvrez à quel type de fantôme nous avons affaire. Prenez une photo du fantôme, prenez une photo de l'eau sale dans un évier. Trouvez des preuves du paranormal avec un lecteur EMF. Donc cette fois, regarde, le lecteur EMF, on va pas faire la connerie. Ce qu'on appelle un thermomètre, c'est ça. En fait, c'est un signal. Je sais pas si c'est par rapport à la puissance du fantôme. Et cette fois, on utilise le journal EKG. Et là, en fait, on aura les indications. Okay. Donc, preuve, EMF, niveau, voilà. Ce sera à nous de donner les preuves, en fait. Pour trouver, justement, le type de fantôme. D'accord. Alors, j'ai fait quelques recherches supplémentaires pour vous. On dirait que le nom du fantôme est Linda Jackson. Ce fantôme semble également répondre à tout le monde. Bon, ben, nickel. C'est bon, on n'aura pas besoin de s'isoler. Vous devrez pouvoir utiliser son nom pour le mettre en colère, avoir une activité paranormale. Assurez-vous de vous référer à votre journal et de noter toutes les preuves. Cette fois, on va le faire. On l'avait jamais fait, elle. Non, c'est un autre nom. Et il y a tout le monde, donc tu peux rester. Nickel, ouais. On n'a pas besoin de s'isoler. Donc moi, je vais prendre le EMF. Dès que nous aura du signal. Parce que c'est pas forcément obligé que ça monte au maximum, tu vois. Ok. Le EMF, il y a 5 trucs. Le rouge, c'est le maximum. Ça, je sais pas ce que c'est exactement. C'est pas ce qu'ils appelaient la spirit box. Ça, en fait, ça, je vais le poser. Parce qu'en vrai, je sais pas encore bien l'utiliser. Prends la lampe. Ouais, je prends la lampe à la place. C'est la longue, la lampe torche, normal. Ouais, c'est la longue. Ok, nickel. Bah, dès que c'est bon pour toi, tu me dis, on avance. On n'a pas besoin de la lampe à empreinte aussi. Si, ça peut servir en vrai. Je peux la prendre si tu veux. Vas-y, mais je peux prendre un truc, moi j'ai de la place encore. Bah, le livre, on l'a pas pris. Ouais, et là on a une caméra. Ok, donc on aura 5 minutes pour vite se débrouiller. Donc, n'oublie pas, photo de l'eau sale dans un évier. Ouais. C'est parti, 5 minutes. C'est toi qui as l'appareil photo, hein. Yes. Donc, t'as vu, c'est la même maison. Ça varie, parfois c'est une autre maison, mais... Donc moi j'ai les clés de la maison. Voilà. L'ambiance déjà. Ouais, c'est incroyable. Bon, on va allumer. D'accord. Il y a des choses à faire. Ouais. Il y a déjà des grincements. Ouais. C'est ouf. Ok, moi je vais utiliser le capteur en bas. Donc là, la cave. On le fait en mode rapido. Il y a un lapin comme t'aimes bien ici. Où ça? Dans la chambre où je suis en bas. J'ai un peu moins peur, mais je crois que c'est parce que c'est pas la nuit, c'est le jour. Je suis plus sereine. Ouais, c'est vrai que ça y fait énormément. Sur ça, les jeux horreurs, j'ai fait l'après-midi. C'est rare, j'en fais le soir. Ouais. Je venirai avec toi. Je suis dans le garage, moi. Dans le garage, j'arrive. C'est bon, là, t'arrives à te situer un peu dans... Oui, ça y est. La cave, ça, quand tu rentres sur la droite. Ah oh. Désolé, j'ai essayé d'allumer, ça a sauté, donc... Ah, mais j'ai cru que c'était le... Ben, je pense que c'est par rapport... le fantôme. Ouais, c'est sûrement le fantôme. Bah écoute. Allez. J'espère que tu feras la cave. Toujours, je suis sereine maintenant. T'es rodée. Attends, mais tu l'as pas entendu crier dans ton oreille comme moi ça m'avait fait la dernière fois. Ouais. T'as vu dans la vidéo, elle m'a attaqué quand elle a crié dans l'oreille. Mm-hmm. Mais la toute première fois qu'on a joué, que j'ai pas en vidéo, ça m'a crié dans l'oreille sans raison. Ah putain, j'ai allumé le courant. Je te vois pas. Je suis dans la cave toujours. Je trouve que la dispersion de la lumière, elle se diffuse mal. Ah oui, mais c'est une lampe de merde. Non mais je veux dire, même si je suis loin, je suis censé avoir une petite lumière de loin, genre. Là, il faut vraiment que je sois dans ta direction. Ok, je pense que ça va se passer à l'étage. Ouais, j'entends des petits grincements en haut. Ouais, des gros grincements. C'est un gros petit grincement même. Ouais. Attends, c'est quoi son nom de famille déjà? Linda? Linda Jackson. Jackson. On attend, on l'appelle pas maintenant. On non, veut pas que ça l'énerve. On me rappelle de son prénom. On peut lui demander où es-tu, etc. Ça, oui, ça va. Je vais allumer que ce couloir. Tu veux essayer de l'appeler pour savoir où elle est? Ouais. Je laisse les placards, n'oublie pas au fait, hein, si on se fait attaquer, on pourra se cacher cette fois. Ouais, ouais. Ben, j'ai ça pour moi surtout. Pour l'instant, mon signal il détecte rien, moi. Dans cette chambre, t'es allé? La salle au fond, non. Je vais mettre un petit coup de lampe UV. Sur les points. Ah! Là, j'ai une preuve là. Ok. Ici, j'ai une main si tu veux voir. D'accord, j'arrive. Donc, faut faire sur les interrupteurs et sur les poignées de porte. Et c'est là qu'on a les empreintes en général. Ah, super. Ok, dans cette chambre. Est-ce que je dois prendre en photo ça comme preuve ou pas? Non, attends, on va faire un truc. On va mettre le journal, preuve trouver une, on va mettre empreinte. Ouais. Voilà. Donc déjà là on est sur quelque chose. Ce qu'il faudra qu'on prenne en photo c'est l'eau sale. Là j'ai une empreinte aussi ici. Ok, super. Combien faut noter d'empreintes, ça se passe comment sur le journal? Ben je pense qu'en 2 on peut mettre empreinte, vu qu'en 3 après... Ouais, je sais pas. Attends, empreinte, je vais voir ce qu'ils mettent. Il y a quoi? Il y a EMF, spirit box, empreinte... Au pire, si on trouve un autre NGIS... Oh putain. Ouais. On trouve notre NGIS, on enlève. La température aussi, faut pas qu'on oublie. Ouais, mais... Ah, une empreinte encore ici. Putain, il y en a beaucoup. Ouais, je pense qu'empreinte, c'est une preuve, c'est pas plusieurs, sinon. Je pensais qu'il fallait noter le nombre d'un truc, c'est rien, ouais. Après, ce que je pourrais faire, c'est peut-être aller au camion et prendre une caméra et la poser. Là, pour l'instant, mon EMF, il a aucun signal. Hein. Je suis toujours une. Ouais, une truc verte. La pièce où tu auras un signal, je mettrai le journal par terre. D'accord. On la laissera dans le noir, il me semble. Attends, je vais essayer d'appeler. Linda Jackson.
Non, 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 fallait demander où elle est. Pas la plupart sans prénom. Pas direct, elle va s'énerver. Demande-lui où es-tu, est-ce que tu l'as... Donne-nous un signe que tu l'as, je sais pas, un truc comme ça. Fais-nous un signe. Oh, une porte qui s'est ouverte, c'est pas moi. Ah, détecteur 2. Ok, ok. Détecteur 2 ici. Alors, dis-lui où es-tu. Où es-tu? Peux-tu écrire quelque chose sur ce livre? On lui demande beaucoup, là. Fais-nous un signe. Ouais, fais-nous un signe. Montre-nous ta présence. Montre-nous ta présence. Elle écrit pas dans le journal? Non. Fais un bruit, un son, dis-lui. Peux-tu faire un bruit? Oh putain, c'est bon. Non, d'accord, c'est confirmé, là. Ouais. Ok, excellent. Peux-tu crier, demande-lui. Peux-tu crier? Je fais du tout à la lumière, je dis crier. Est-ce qu'on doit partir, demande-lui. Est-ce qu'on doit partir? Est-ce que tu nous veux du mal? C'est stressant. Ouais. Parce que on va faire un truc très simple. J'espère qu'il y a une grosse crémère d'un coup, tu vois. Julie, ouvre la porte. Peux-tu ouvrir cette porte? Et en fait, en fonction de ce qu'elle fait, je peux savoir quel type de démon c'est. Montre-nous ta présence. Plein de fantômes. Allume et éteins la lumière, Julie. On va voir direct à quoi on en fait. Éteins la lumière. Putain. Ok. Ok, ok, excellent. Allume. Oh non. Incroyable, on va aller en bas. Alors attends. Ah putain, en plus avec ta lumière, on voit la trace de la main. Allume la lumière. C'est un truc de fou. Allume la lumière. Ouais, allume tout. Parce que c'est facile d'éteindre, mais est-ce que tu sais allumer? C'est plus dur. Franchement. Ah ouais. Que les fantômes forts, ils y arrivent, ça. Bon, ouais. On va y aller, je crois qu'il nous a pas laissé le choix. On peut lui demander, est-ce que tu nous veux du mal? Ouais. Elle est dans les questions. Est-ce que tu nous veux du mal? J'aurais préféré la demander quand il y avait de la lumière. Je te suis. Est-ce que tu vas me tuer? Vas-y, reste avec la lumière devant. Non, va quand même faire l'avatar. C'est où déjà la sortie? Mon EMF il détecterait, hein. Putain, l'eau, elle veut pas l'allumer. On redescend, hein. On va allumer. Stressant. Hein. Donc en fait, tant que je l'appelle pas, que je dis pas son nom, bah. Elle va au début, on essaie de communiquer normal. Après, si c'est un non-style direct, t'inquiète pas qu'on le sait. C'est horrible. Viens, c'est ici, la cave. Faut qu'on rallume la lumière d'abord. Moi, j'essaie de faire ce que je peux avec ma lampe UV, mais. T'as plus talent? Non, je l'ai pas pris. On n'a pas trop le choix. Alors, c'est là-bas. Ok. Incroyable ce jeu. Les mêmes ambiances. En fait, on va se manger un screamer quand faudra pas. Je pense que ça fait 5 minutes là en plus. Hein. Ouais. On va rester à l'entrée, c'est plus safe. Ah bon, ils étaient passés les 5 minutes. Tu veux aller vérifier? Je vais mettre une caméra. Au moins, on a une preuve. Ouais. Oh putain, il y a des grincements dans le salon. Tu peux venir avec moi parce que c'est rien qu'on s'isole. Ouais, je viens. Au contraire, je pense que c'est mauvais. La lampe UV, je vais la poser, on a les preuves. Ouais, prends ta lampe. Je vais prendre la caméra. Je vais prendre la spirit box. Il nous manque la photo du fantôme, c'est trop dur. On y retourne, hein. C'est bon, le timer il est mort, de toute façon, s'il est hostile, il va devenir hostile maintenant. Très sain ce jeu. Tu vas lui poser une question, tu vas lui dire montre-nous ta présence. Ok. Dans quelle pièce? Putain, direct, ça grince. Fais un bruit. Peux-tu crier? Il a fait un bruit, là. Ah, mais grincement, en soi, ça le fait souvent, donc... Peux-tu écrire sur ce cahier? Demande-lui. Peux-tu écrire sur ce cahier? Peux-tu communiquer avec nous? Montre-nous ta présence. Il y a une porte qui s'est ouverte. Ouais. Ouais, ouais. Une porte qui s'est ouverte, là, c'est chaud. Dans le doute, on va reculer le cahier. Oh putain, non. Oh non. Attends. Qui a éteint, là? C'est pas moi. Hein. Bah, c'est elle. C'est elle, hein. Enfin, c'est le fantôme. Ah ouais, c'est elle, parce que cette lumière, elle marche. Est-ce qu'on peut parler? Autre que des grincements, s'il te plaît. Parce que... Est-ce que tu nous veux du mal? À chaque fois que je dis ça, ça grince. Où es-tu? Désolé, je suis obligé. Il fallait que... Tu m'as fait un arrêt cardiaque. Je suis désolé. Où es-tu? Par contre, si on le fait jamais, on n'aura jamais de preuves sur ça. Prendre. Non, mais c'est elle qui doit l'allumer, normalement. Tu te rappelles pas, hier? Oh putain. Oh shit. C'est pas moi, hein. Hier, c'est elle qui avait allumé. Et on savait que c'était la salle de bain d'en bas, tu vois. Où es-tu? Oh putain, elle est juste à côté. Fuck, soit elle est en dessous, soit elle est là. C'est à côté. Dis-lui, parle-moi. Parle-moi. Es-tu content? C'est cool, elle nous a allumé la lumière. Bah merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh. Quoi? T'as entendu que... T'as entendu? Je déteste les portes qui s'ouvrent. Ouais. J'ai entendu deux fois. Hein. Ouais, j'ai entendu, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est pas qui ferme la porte de la maison? Je pense que ça répond. Non, c'est pas moi. Ah si, je sais plus.
Je perds la boule. Santé moi, mentale, elle doit être à zéro, là. Je la ferme jamais, la porte. Ok. Moi, est-ce que tu es ici? Parle-nous. Pas très coopérative, cette Linda. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? On peut dire ça aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Je remonte. Est-ce que tu veux qu'on s'en aille? Je prends le cahier. Ça se trouve, on nous a écrit. Veux-tu qu'on s'en aille? Wow! C'est toi? Quoi? Non, c'est pas moi. La porte vient de s'ouvrir. Ok. Mais je sais pas laquelle. Oh non, attends. Monte. J'entendais pas. Rejoins-moi. On va se mettre en PLS dans le placard, je pense, mec. Là, y'a rien pour se cacher. Est-ce que je dis son nom? Le cahier, je peux pas voir. Est-ce qu'il faut le ramasser pour voir si c'est écrit? Attends. Non, normalement, de là, tu vois, c'est écrit. On va lui mettre là-bas pour qu'elle écrit. Hop là, tu vas m'écrire un roman. Non, restez au fond. Seuls certains types de fantômes écriront. Et ouais, c'est pour ça. Et c'est en fonction de ça. Ouais. Empreinte, spirit box, EMF niveau 5. Non, aucune preuve. On a que les empreintes pour l'instant. Et... Wow. C'est toi? Non. Ok. En bas, la porte de entrée, je pense. Peux-tu allumer le robinet? Là, avec les preuves qu'on a, tu sais, ça peut être quoi? Je te dis ou pas? Dis-moi. Banshee, revenant, poltergeist, spirit ou vrace. Je croyais que t'allais m'en dire deux. Ah non, justement, c'est... C'est une sorte de tableau. Je montrerai, mais... Heureusement, je me suis procuré ça, parce que... Peux-tu allumer le robinet? Elle veut pas rendre l'eau sale. Elle veut pas crier? Y en a qui crient? Ouais. Est-ce que tu peux crier, Julie? C'est écrit. Est-ce que tu peux crier? Peux-tu crier? Est-ce que je dis son nom? Maintenant, viens, on va voir l'heure dans la chambre. Il est toujours minuit. Moi, je pense que... Ouais, mais du coup, le temps, il l'arrête, en fait. Quoi? La lumière a clignoté. Du couloir. Je dis son nom ou pas? Ouais, foutu pour foutu. Ouais, mais il nous faut une photo dans tous les cas. Linda Jackson. Tu peux m'éclairer là, s'il te plaît? Je sais pas si c'est les ondes, enfin, je sais pas trop. Là? Là, juste là, là. T'as vu, je t'avais dit, on peut pas les tourner les caméras. Hop là. Si, faut rester appuyé sur clic. Mais faut appuyer sur clic, il faut que ça reste vert. Ça clignote là, là on est dans la merde. Ouais, là on est dans la merde là. Moi je te le dis, mec. Je vais dans la salle de bain du fond, viens. Ça va chier, je me casse. Viens, on retourne au fond. Ah! Quoi? Ça arrive! Oh putain! Oh mon dieu! Sur moi, je crois. Allez, je me casse! Elle arrive sur moi! Reste avec moi! Ah, je peux pas là, je suis tout seul. Mais tu es parti, t'es dans le camion? Elle est non, je suis en haut, je suis dans la pièce à côté, je suis dans la chambre. Tu peux pas la prendre en photo? Je vais essayer, mais. T'es où toi? Oh non! Hein? What? Quoi? Ah, t'es avec moi? Ouf. Ouais, là je suis avec toi. Ouvre-moi ça, mince. Et non, mince, j'ai ouvert avec l'appareil photo ça après. C'est dommage que ce soit les mêmes touches. Tu l'as en photo ou pas? Mais non, si tu vois, j'ai tout en photo, mec. Tu te vois là ou pas? Putain, regarde dans mon appareil. Est-ce que tu te vois? Ouais, putain, oh, t'as fait un beau selfie. C'est ça le poltergeist qu'on a trouvé. Bon, on rentre au camion. Si on y arrive. Là, elle était toute proche. Hein. Ah bah ouais, les pas et tout là. On rentre au camion. Quand on parlait pas, pour moi, je sais qu'on va crever. Elle veut pas trop coopérer. Ouais, je vais laisser le livre alors. Wow. Oh putain. Elle doit être toute proche là. Si le cœur. Ouais, la porte d'entrée, ouais, c'est elle qui ferme à chaque fois. Hein? Elle arrive! Ouvre! C'est fermé, c'est verrouillé! Elle arrive, elle est là! Où ça? Elle, c'est pas à ma gauche. Ah! Elle est aux escaliers! Elle est horrible! Ouais! Tourne autour de la table! Tourne autour de la table! Je peux pas, elle est là! Elle tourne autour de la table! Elle fait le bruit de The Grudge! Oh mon dieu! Le bruit de The Grudge! Ouvre la porte, s'il te plaît, de sortie! Elle est pour moi! Je suis dans la merde, attends! Ouais! J'ouvre la porte! Elle est où? Attends. Elle est partie. On se tire. Dis-moi que tu l'as pris en photo. Mon dieu, non. J'ai plus de photos. Mais je l'ai vu en direct. Oh mon dieu. Allez, elle m'attraper là. Là, elle allume depuis tout à l'heure. Elle éteint. C'est n'importe quoi. Oh putain. Je sais pas si elle va le refaire, mais c'est n'importe quoi. Ah, je te jure, oh, c'est... Oh mais t'as entendu qu'elle faisait le bruit du Grudge? Ouais. Tu sais qu'elle était sur toi, mais elle me voulait moi. Elle tournait autour de la table, elle me voulait moi. Tu la voyais? Ouais, j'ai vu, parce qu'à un moment, tu sais quoi, je me suis retrouvée dans son corps. Soit je me suis dit putain, elle est devant moi. Et je pensais qu'elle allait me tuer, mais non. Bon, pour moi, je suis pas mort, c'est une réussite. Mais attends, c'est la première fois que quand on la voit, on meurt pas. Allez, on se casse d'ici. Par contre, il y avait pas d'eau sale dans l'évier. Bon, c'est un succès. On va dire ça. Attends, il y a la caméra quand même en haut. Bah écoute, on n'a jamais réussi à survivre. Donc. Ah, t'as vu l'orbe? Il y avait une orbe, non? Oh, tu vois? C'est une orbe. D'accord. Tu vois, tu peux prendre en photo ou comment on fait? Excellent.
On va dans le journal, on va dans le journal, ouais, on est orbe. je l'ai vu tout à l'heure. Excellent ça. Moi je l'avais pas vu. J'ai vu dans le journal Orb. Je pensais tout de suite à l'orbe tourbillonnante regarde, ouais. de Naruto. Mais ouais, on peut la mettre dans les preuves. Eh ouais, une orbe, excellent. Empreinte, un deuxième orbe fantomatique. C'est ça, ça suffira. Hein. Ah bah ouais. GG. Non, franchement, ça suffira, on a déjà deux preuves. C'est toi qui as foutu les crèmes par terre? Ah non, j'ai deux barres dans mon signal. Bah il a tout envoyé valser, hein, parce que c'est pas moi. Oh mon dieu!